Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestation, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Non, non. Il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régals peu chers, dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelle préférence une estime se fonde? Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez dans cette vis du temps morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait que mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami, du genre humain n'est point du tout mon fait.